Donc voilà, nouvelle voiture Subaru Impreza 2.5 2006, en rouge familial, donc super pratique avec le station wagon pour mettre les petits coups à l'arrière, c'est vraiment le fun. Traction intégrale aussi, donc super plaisant quand il y a des petites bords de neige, des trucs comme ça dans la région. Pas trop de kilométrage, va quand même super bien, on va aller la démarrer, vous allez voir, là, vraiment une super bonne petite voiture. Ben voyons. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. J'ai acheté l'auto il y a 3 mois pour être ma voiture d'hiver. Donc, j'ai à peu près acheté au mois de novembre 2017 pour que ce soit mon petit char d'hiver. Je l'ai acheté à 220 000 km. Puis, c'est un Subaru. Il a sauté. Il a sauté la semaine passée, en fait. Je comprends pas parce qu'elle est quand même super bien, claquait pas, prenait pas d'huile, vraiment c'était un bon petit char, mais là il a décidé qu'il sautait. Donc résultat des courses, cylindre numéro 2, les valves vont débarrer, ça allait cogner sur le piston. Donc moteur complètement terminé, j'hésitais, mettre un moteur, finalement j'ai juste décidé de vendre le body tel quel. Donc première Subaru Impreza, j'avais eu la Legacy l'année passée, mais vraiment première auto que j'ai gardé quand même assez longtemps, 3 mois c'est quand même longtemps pour moi, sauter. Des choses qui arrivent, mais je suis quand même un peu off. Je vais vous montrer quand même l'auto. Je me voyais faire des vidéos, mais là, avec le froid et tout, l'école, le travail, c'est pas super évident. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais fait sur l'auto parce que je l'avais pas acheté entièrement comme ça. Vous montrer un peu les trucs que j'aurais pu faire avec. Mais bon, go! Donc, ça fait chier un peu quand même parce que je veux dire, elle est quand même encore super propre. Puis rouge comme ça, c'est super rare quand même en familial. Donc, moi, quand je l'ai eu à la base, c'était vraiment tel quel au niveau. Tu sais, j'ai pas acheté les mags, là, ils venaient avec. Ce que j'ai rajouté par contre, j'ai rajouté des longerons de toit ici. Ce sont les barres originales pour éventuellement mettre mon vélo ou peu importe là, les skis d'hiver, mais bon, j'ai pas le temps. J'ai rajouté aussi à l'arrière le becquet de WR qui rajoute en soi un petit look un petit peu plus sportif, là, qui est un petit peu plus beau. Ensuite de ça, les Rally Armor, comme j'avais fait après la Legacy, si vous allez voir dans les vidéos un petit peu de l'an dernier. Vraiment quand même assez pratique là, lorsqu'on a une traction intégrale, comme les roues à l'arrière jettent un peu de roche, des trucs comme ça en accélération. Puis en plus, ben, c'est quand même assez beau. Puis ils ont le petit logo rouge aussi, mais bon, je peux pas les utiliser parce que le char start pas. Mais j'ai aussi changé à l'intérieur pour les sièges de STI V8. V8, c'est pas parce qu'il y avait un moteur V8, là, mais vraiment juste parce que c'était la version 8 au Japon. Fait que c'est des Japan Made Seats. C'est ça, donc un petit peu plus confortable justement que les sièges standards qu'il y avait dedans. Puis bon, le fait qu'ils soient bleus, c'est sûr que c'est pas super beau comparativement aux sièges d'origine. Mais bon, pas cher, ça faisait la job. Mais, il marche plus. Donc c'est ça, c'était un peu l'update que je voulais vous donner pour la voiture d'hiver de cette année. Mais bon. Marche plus. Fait que il va y avoir quelque chose d'autre. Ça s'en vient. J'espère vous le sortir bientôt, le vidéo, peu importe. Là. J'ai. En tout cas. Ça arrive. Ça s'en vient là. Soyez patients. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci. À la prochaine. Bye! We'll be right back.